vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. We are speaking about holiness this morning. Nous parlons sur holiness. La sainteté ce matin. The title of our message is "There is power. There are power, hidden power in holiness." Le titre de mon message, c'est qu'il y a une puissance cachée dans la sainteté. Many powers. Il y a plusieurs pouvoirs are hidden in holiness. Qui sont cachés dans la sainteté. We have spent wonderful time. Powerful time last week in the presence of God. La semaine qui vient de terminer, nous avons passé des moments merveilleux dans la présence de Dieu. I feel sorry for those who are not here. Je suis triste pour ceux qui étaient absents. You know, don't miss the church. Ne ratez pas l'église. Because you don't know the day of your visitation. Parce que vous ne connaissez pas le jour de votre visitation. God was doing wonderful things in our midst on Wednesday. Thursday and the last day was Friday. God moved in the house and I believe in many deliverance and many blessings. Dieu a fait des merveilles pendant les temps qu'on a eu des séminaires le mercredi, le jeudi et le vendredi. Overthrowing, renverser evil altars, les hôtels sataniques. In speaking against our life, our prosperity, our marriage. Qui parle contre notre vie, contre notre prospérité, contre notre mariage. When things are not working right in your life, the Bible says in the book of Ephesians chapter 6 verse 12. Dans Éphésiens 6, 12. We are not wrestling against flesh and blood. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. But we are wrestling against principalities and power, evil spirits operating in the heavenly of darkness in heavenly places. Mais nous luttons contre les esprits méchants, contre les principautés qui opèrent dans les lieux célestes. They are spiritual beings. Ce sont des êtres spirituels, but they are real. Qui sont réels. The cause of your problem. La cause de ton problème. Might be coming from the spirit realm. Pourrait venir du domaine du monde spirituel. Now you don't go and fight in the spirit realm. Alors vous n'avez pas à vous battre dans le monde spirituel. A spiritual battle. Un combat spirituel. With your natural weapons. Avec vos armes naturelles. We have weapons, spiritual weapons. Nous avons des armes spirituelles. That are not carnal. Qui ne sont pas charnels. But they are mighty. Mais qui sont puissantes. And they were able to overthrow. Et qui peut renverser les forteresses. There are people living here, they think they are free, but they are in prison. Il y a des gens qui vivent là, ils pensent être libres, mais ils sont en prison. When you see bad things happening, and repeat and repeat and repeat in your life, quand vous voyez des mauvaises choses arriver et se répéter dans vos vies, there is a curse over your life. Il y a une malédiction sur vos vies. And that curse is operating behind an altar. Et cette malédiction opère à partir d'un autel that has been erected qui a été érigé to speak against you. Pour parler contre vous. And you can also erect an altar that can speak against evil altars that are speaking, working against your life. Et vous pouvez aussi avoir des hôtels sataniques qui parlent contre vos vies. Now you are not here. You are in your blanket with your hot chocolate being in front of your TV. Maintenant, while lives were changing here. Vous n'étiez pas là. Vous étiez sous votre couette en train de boire une tasse de thé pendant qu'il y a des choses importantes qui se passaient ici. Your cup of hot chocolate cannot change your life. La tasse de thé que vous avez bu là pendant la semaine ne peut pas changer your votre vie. Cannot change your life. Votre couverture ne peut pas changer votre vie. But one word from God, mais une parole de Dieu. One word from God, une parole de Dieu. Can change your life forever. Peut changer votre vie pour toujours. Amen. Hallelujah. I'm sorry. I feel sorry for those who are not here. Alors c'est triste pour ceux qui étaient absents. Every one of us is fighting a battle. Chacun d'entre nous fait face à un combat. Because the Bible says that your adversary, the devil, is going around like a roaring lion, seeking somebody to devour. Parce que la Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Always. Toujours. Every day. Tous les jours. He's going around. Il circule. Seeking for someone. Cherchant quelqu'un. That he may devour. À dévorer. That he may destroy. À détruire. Amen. Amen. That's why the Bible says pray without ceasing. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. There are hidden powers in holiness.
Il y a des pouvoirs cachés dans la sainteté. What is holiness? C'est quoi la sainteté? It's cleanliness and purity. C'est la purité, c'est la pureté. When la propreté. In holiness, quand vous marchez dans la sainteté, powers are there. Il y a des pouvoirs for you to operate and to shine in this life. Pour opérer et briller dans cette vie. In the book of 1 Peter chapter 1, dans 1 Pierre 1, 15, 15 to 16, à 16. But he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. It's a requirement from God. C'est une demande que Dieu fait. The God who called you from darkness to light. Le Dieu qui t'a appelé des ténèbres à la lumière. Say, be holy because I'm holy. Il dit, soyez saints parce que je suis saint. Now, maintenant, if you remove holiness from your life, si vous enlevez la sainteté de votre vie, you are not in light. Vous n'êtes pas dans la lumière. You are taken back in darkness. Vous retournez aux ténèbres. And when you are back in darkness, et quand vous retournez aux ténèbres, the devil is working, can operate in your life easily. Le diable peut opérer facilement dans votre because vie. He is the prince of darkness. Parce qu'il est le prince des ténèbres. We've been conveyed. Nous avons été transférés from the kingdom of darkness du royaume des ténèbres into the kingdom of light. Au royaume des lumières. Now you can't be in light. Maintenant, vous ne pouvez être dans la lumière without holiness. Sans la sainteté. You remove holiness from your life. Vous enlevez la sainteté de votre vie. You can come to church. Vous pouvez venir you, à l'église. You can pray. Vous avez beau prier. But as long as what you do, mais aussi longtemps que ce que vous faites, not standing on the platform of holiness, ne se tient pas sur la plateforme de la sainteté, you are doing in vain. Vous le faites en vain. Why? Pourquoi? Because you are operating. Parce que vous opérez from the wrong platform. À partir d'une mauvaise plateforme. From a platform of darkness. Une plateforme de ténèbres. Holiness is light. La sainteté c'est la lumière. Light in your life. La lumière dans ta vie. You can pay your tithe, you can give your offering, you can sing for God. Tu as beau payer ton offrande, ta dîme, chanter pour Dieu. You can have a title. Tu peux avoir un titre. If whatever you are or do, si tout ce que tu fais et tout ce que tu es is not done on the platform of holiness, n'est pas fait à partir de la plateforme de la sainteté, you are wasting your time. Vous perdez votre temps. Because you are operating. Parce que vous opérez. Without holiness, without light. Sans la sainteté, sans la lumière. Holiness is God. La sainteté, c'est Dieu. God is holiness. Dieu est saint. We remove holiness from our life. Tu enlèves la sainteté de ta vie. You remove God from your life. Tu enlèves Dieu de ta vie. You remove holiness from your life. Tu enlèves la sainteté de ta vie. You remove God himself from your life. Tu enlèves Dieu lui-même de ta vie. And if we don't, we as a church, we remove the message of holiness from the church. Et si nous en tant qu'église, nous enlevons le message de la sainteté de l'église, we are excluding God from our church. Nous excluons Dieu de notre église. And people don't like the message of holiness. Et les gens n'aiment pas le message de la sainteté. They like message of that sounds good, make you feel good. Ils aiment les messages qui chatouillent les oreilles, qui donnent un bon sentiment, une bonne sensation. And the devil like that. That when we are in the church, we're not speaking about holiness. The church is the devil is comfortable in that church that is not speaking about holiness. Et le diable il est confortable dans une église où on ne parle pas de sainteté. Because God is holy. Parce que Dieu est saint. He said the one who called you is holy. Il dit celui qui vous a appelé est saint. He's calling you to holiness. Il vous appelle à la sainteté. And it is written. Et il est écrit. Be holy because I'm holy. Soyez saints parce que je suis saint.
Every time we remove the teaching of holiness from the church, chaque fois que nous enlevons le message de la sainteté de l'église, we are removing God from our church. C'est Dieu lui-même que nous enlevons. Every time you remove holiness from your life, chaque fois que vous enlevez la sainteté de votre vie, you are removing God from your life. C'est Dieu lui-même que vous enlevez. He is holy. Il est saint. And he said, "Be holy because I'm holy." Et il dit, soyez saint car je suis saint. Hallelujah. Hallelujah. The light of man, la lumière des hommes, is in holiness. Et dans la sainteté. The life that has not holiness has been extracted from the realm of light. Une vie sans sainteté est exclue du domaine des lumières. And any person who's living without the light is always confused. Toute personne qui vit sans lumière vit dans la confusion. You know, when we have load shedding, vous savez, quand nous avons le délestage in our homes, in our houses, dans nos maisons, dans nos foyers, there is a confusion. Il y a la confusion. People become sad in that house because light is gone. Les gens deviennent tristes parce qu'il n'y a pas de lumière. People are confused. In the kitchen, we are confused. À la cuisine, on est confus. In the sitting room, we don't even feel like sitting there. Personne n'a envie de s'asseoir au salon. The mood in the house has become sad. L'ambiance dans la maison est un peu maussade, triste. Just because light is gone. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lumière. And when light comes back, et quand la lumière revient, you feel joy and peace. Vous sentez la joie et la paix. In some places in DRC, when light comes back, you can hear people shouting. Dans certains quartiers, light is back. Quand la lumière est de retour, tout le quartier est en ébullition, tout le monde acclame, oui, la lumière est de retour. Now that is a natural light. Ça, c'est la lumière naturelle. And whatever is happening in the natural, et ce qui est dans le naturel is stronger, est plus fort, is multiplied, est multiplié in the spirit realm. Dans le domaine, le monde spirituel. There is a spiritual light. Il y a une lumière spirituelle. And that spiritual light, et cette lumière spirituelle, is found only in holiness. Ne peut être trouvée que dans la sainteté. Every person who's not living in light, toute personne qui ne vit pas dans la sainteté, is confused in life, est confuse dans la vie. That's why you can see somebody, an old person, c'est comme ça que vous voyez des personnes âgées, with money, avec beaucoup d'argent, but sleeping with a daughter who has the same age as his own daughter. Mais il sort avec une fille qui a l'âge de sa fille ou même de sa petite fille. Because there is that is confusion. C'est la confusion. Yesterday this girl was calling him papa. Hier la petite fille l'appelait papa. Bonjour papa. Good morning daddy. Lobi mosusu papa na. Qui papa ici? That is a confusion. The following day, the daddy is telling the girl, "Don't call me daddy, call me Johnny." You might have, yeah, confusion. La confusion. No light. Pas de lumière. Confusion. Confusion. No light. Pas de lumière. Men want to sleep with men. Les hommes veulent coucher avec les hommes. No light. Pas de lumière. Women want to sleep with women. Les femmes veulent coucher avec des femmes. Money is there, but no light. Il n'y a pas de lumière malgré l'argent. No light. Il n'y a pas de lumière. People will go and smoke and put poison in their own body to feel good. Sans lumière, les gens vont s'injecter des trucs bizarres pour se sentir bien. Because they have money, they can afford drugs. Parce qu'ils ont l'argent et peuvent se permettre d'acheter des drogues. No light. Sans lumière. They end up committing suicide. Ils se suicident. They don't find the reason why they should be living. Ils ne trouvent pas des raisons de vivre ou bien de croire.
But I feel good. De vivre, mais je me sens bien. Without the need of putting stuff in my veins. Sans le besoin de m'injecter des trucs dans mes veines. Why? Because I have light. Parce que j'ai la lumière. I have peace. J'ai la paix. In spite of everything that is going on in the world. Malgré tout ce qui se passe dans le monde. Why? Pourquoi? I live in the light. Je vis dans la lumière. I'm not afraid. Je n'ai pas peur. Of the next wave that is coming. Je ne crains pas la prochaine vague. Why? Because I have light. Parce que j'ai la lumière. But without light, you are confused. Mais sans la lumière, vous êtes confus. John chapter 1 verse 4. Jean 1 4. Speaking about Jesus. Qui parle de Jésus. In him was life, and the life was the light of men. En lui était la lumière. En elle était la lumière et la vie était la lumière des hommes. That is Jesus. Jésus. In him. En elle was la parole, life. Était la vie. And the life was the light of men. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. What is this life? C'est quoi cette vie? This life is the life of holiness. La vie de sainteté. In that life of holiness. Dans cette vie de sainteté. There is light. Il y a la lumière. In Jesus there is life. En Jésus il y a la lumière. And that life is light of men. Et cette lumière, c'est la lumière des hommes. You can't have it. Vous ne pouvez la voir. Without holiness. Sans la sainteté. Some people exist. They don't have life. They don't live. Il y a des gens qui existent. Ils ne vivent pas. Ils n'ont pas la vie. Ils existent. Because there is a difference. Parce qu'il y a une grande différence. Between existing and living. Entre vivre et exister. Hallelujah. Hallelujah. That life, cette vie of man, des hommes, which has light, qui a la lumière, it gives you the ability, vous donne l'habilité, la capacité, to become the light of the world, de devenir la lumière du monde. Because he said we are the light of the world. Parce qu'il dit que nous sommes la lumière du monde. But without holiness, mais sans la sainteté, you can't. Be a light in the world. Vous ne pouvez pas être la lumière du monde. That means you can't shine. Ça veut dire vous ne pouvez pas briller. But you need to shine. Mais vous devez briller. We supposed to shine in the world. Nous sommes supposés appelés à briller. You can't shine. Tu ne peux pas briller. Without the true light in you. Sans la véritable lumière en toi. And that light, you can't find it outside of holiness. Et cette lumière, tu ne peux pas la trouver en dehors de la sainteté. Alléluia. Alléluia. Seek holiness. Recherchez la sainteté. And you become a light in your generation. Et tu deviendras une lumière dans ta génération. You'll be different. Tu seras différent. God says you'll make a difference between us and others who do not know him. Dieu dit qu'il fera la différence entre nous et ceux qui ne le connaissent pas. That means you are we supposed to shine. Donc nous sommes appelés à briller. You need to shine in your generation. Tu dois briller dans ta génération. We have to shine in our generation. Nous devons briller dans nos générations. We need to be different. Nous devons être différents. So that people will look at us. Afin que quand les gens nous regardent. And they have envy to become like us. Ils désirent devenir comme nous. That can happen. Cela peut arriver. Only when you are shining. Seulement quand vous brillez. And you cannot shine. Et vous ne pouvez briller if the light of man is not in you. Si la lumière des hommes n'est pas en vous. And you don't have that light. Et vous n'avez pas cette lumière. Without holiness. Sans la sainteté. You need to be different. Vous devez être différent. You need to shine. Vous devez briller. At workplace. Au travail. You shining. Briller. You are different. Vous êtes différent. In the class or in the school, you need à to shine. En classe, vous devez briller. You need to be. Vous devez être. Different from others. Différent des autres. You need to be the head and not the tail. Vous devez être la tête et non la queue. People and we have more tails in the church. Nous avons beaucoup de queues dans l'église. Than heads. Plus because some people in the church they don't like holiness. Parce qu'il y a des gens dans l'église qui n'aiment pas la sainteté.
You can't enjoy the promises of God while living in darkness. Vous ne pouvez jouir des promesses de Dieu pendant que vous vivez dans le ténèbre. Because these things that God promised to His people. Parce que ces choses que Dieu a promises à ses enfants. He brought them in light. Il les a mises dans la lumière. And light is holiness. Et la lumière, c'est la sainteté. Now you don't like light. Tu n'aimes pas la lumière. While being a child of God. Pendant que tu es enfant de Dieu. You are in the darkness. Tu t'es soustrait à la lumière. And tu es God dans les ténèbres. Is sending blessing, not in darkness, alors, but in light. Dieu n'envoie pas les bénédictions là où il y a le ténèbre, mais là où il y a la lumière. Remain in light. Reste dans la lumière. That is where God will bless you. C'est là que Dieu te bénira. That is where things are happening. C'est là que les choses arrivent. You praying here. Toi tu pries ici. In the darkness. Dans le ténèbre. Hallelujah. 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 I believe that as I'm standing here, everyone can see me. Pendant que je suis ici, tout le monde peut me voir. You can see the color of my suit. You can see everything in me about me. You can see it. Vous voyez la lumière de mon costume, de ma jaquette, tout. Why? Because I'm in light. Pourquoi? Parce que je suis dans la lumière. Now, looking there, I know some brothers and sisters there. I can't see them. I see a shape of somebody. Maintenant, quand je regarde là-haut, il y a certaines personnes. Je ne peux pas bien voir les visages. Je vois la forme. Because there's no light. Parce qu'il n'y a pas la lumière. I can't see you. Je ne peux pas vous voir. Sometimes you come to church, you see the day. I don't know that you are here. Parfois, vous êtes à l'église. Je ne sais pas que vous êtes. Why? Vous êtes because là. You are in the darkness. Parce que vous êtes. Me here, I'm in the light. Il n'y a pas la lumière là où vous êtes. Moi, là où je suis, il y a la lumière. Everyone can see me. Tout le monde peut me voir. Amen. Hallelujah. Okay, there's nothing wrong with you sitting where you are. Alors, il n'y a rien de mal avec la place que vous avez choisie pour vous asseoir. That is just a illustration. Illustration. C'est juste une illustration. Now, you child of God, en tant qu'enfant de Dieu, working in darkness, vous marchez dans le ténèbre. And you want to be seen. Et vous voulez être vu. Yes, you are educated. Oui, tu es instruit. But at work, mais au travail, you are not seen. On ne te voit pas. They don't notice you. On ne te remarque pas. Yes, my sister, you are beautiful. Oui, ma sœur, tu es jolie. But no one is coming to tell you that. Mais personne ne vient pour s'agenouiller. They don't see your beauty because, in spite of being beautiful, et te proposer une bague. Malgré ta beauté, on ne voit pas. You are in darkness. They can't see your tu es beauty. Dans les ténèbres. On ne voit pas ta beauté. And you see some less. I want to say ugly, but they are not ugly. Less advantage than you. Okay, that sounds better. Yes, it sounds much better. Come again? It sounds much better. It sounds much better. Less advantage. And you see some who are less advantage than you, people bowing their knees. You say, what happened? You see, I see some couples. I say, what happened here? Selon les normes de beauté moderne, il y a des belles et des laides. Alors vous voyez les soi-disant laides là. Elles sont en train de se marier en désordre, tout le monde les sont en train de les poursuivre. Mais les soi-disant belles, personne ne vient. Il y a the des couples que j'observe, je vois le mari et la femme, vraiment. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Is not what we see. Le problème, ce n'est pas ce que nous voyons. It's what God sees in you. C'est ce que Dieu voit en toi. Holiness, la sainteté brings light. Apporte la lumière. God is not looking for beautiful people. Dieu ne cherche pas les personnes soi-disant belles. God is not looking for powerful people. Dieu ne cherche pas des personnes puissantes. God is looking for holy people. Dieu cherche des personnes saintes. That's why he told the prophet. C'est pourquoi il a dit au prophète Samuel, who was about to anoint the brother of David, qui s'apprêtait à oindre les frères de David. Because he was looking, the guy was tall and big. He wanted to anoint him. God said, "Not that one." Parce qu'ils étaient beaux, ils étaient grands, ils étaient forts. Dieu a dit non, pas celui-là. God is not looking at the appearance. Dieu ne cherche pas, il ne regarde pas l'apparence. He's looking inside. Dieu regarde l'intérieur. The heart is looking for holiness. Il regarde au cœur, il cherche la sainteté. God is not looking for eloquent people, educated people, or strong people, or beautiful, handsome people. No, God is looking for holy people.
Dieu ne cherche pas les personnes éloquentes, belles, beaux, fortes, instruites. Non, il cherche des personnes saintes. That's how you find some people, you see. That one is less qualified than me, but how come that he's occupying a higher position than me? C'est comme ça que vous trouvez certaines personnes moins qualifiées que vous et vous vous posez la question, pourquoi il occupe cette position? Le problème is holiness. C'est la sainteté. Coming to church is good. Venir à l'église est une bonne chose. But holiness. Mais la sainteté. Is above all things. Est au-dessus de toutes choses. Hallelujah. You can't be an addition to the mankind without holiness. Tu ne peux pas donner un plus ou bien être un plus à l'humanité sans la sainteté. Without holiness, you sans be la sainteté, a subtraction. Il y aura la soustraction to the mankind. À l'humanité. Amen. Holiness makes you think like God. La sainteté vous pousse à penser comme Dieu. You think like God. Vous pensez comme Dieu. Holiness. La sainteté. Hallelujah. Hallelujah. You think things and people say, "Are you crazy? That can't be made, can't be done." Vous allez imaginer, deviner des choses, avoir des idées. Les gens vont vous dire, "Mais vous êtes fou, vous êtes folle. C'est impossible." Holiness. La sainteté. Make you think to see things like God. Vous poussera à voir les choses comme Dieu. You know, some people see problem huge. Il y a certaines personnes devant un problème, elles voient que le problème est insurmontable, but trop grand. There's no problem too big for God. Mais il n'y a pas de problème qui soit trop grand pour Dieu. I say there is no problem too big. Je dis qu'il n'y a pas de problème qui soit trop grand pour Dieu. He can solve any problem. Tous les problèmes peuvent être résolus. Now, when you're living in holiness, alors quand vous vivez dans la sainteté, you don't see big problems. Vous ne voyez pas de grands problèmes. You don't see big problems. Vous ne voyez pas de grands problèmes. People can panic. Les gens peuvent paniquer. But you don't panic. Mais tu ne paniques pas. How come Peter was sleeping that night? Comment est-ce que les gens dormaient cette nuit? Peter was sleeping in that prison. Et dormait dans la prison. While the one who put him in prison, pendant que la personne qui l'avait mis en prison have beheaded his friend yesterday, avait décapité son ami la veille. And people loved it. Et les gens avaient acclamé, ils avaient aimé. And when he saw that people loved the beheading of the disciples, et quand il a vu que les gens ont aimé cette décapitation, and he became more popular. Il est devenu plus populaire. And he said, "Bring Peter." Et il a dit, amenez-moi Pierre. To behead him as well. Qu'il soit aussi décapité. How can you sleep? Comment est-ce que tu vas dormir cette Peter nuit-là? Was sleeping. Ah, mais Pierre, il ronflait. Why? Because he sees things like God. Pourquoi? Parce qu'il voyait les choses comme Dieu. How can Paul and Silas being in chains? Comment est-ce que Paul et Silas enchaînés? In a prison, inside the prison. Dans une prison. In an inner prison. Dans une prison intérieure. Bound in chains. Dans des chaînes. And they were praising God. Et ils étaient en train de louer Dieu. They see things differently. Ils ont vu les choses différemment. I'm not afraid of anything. Je n'ai peur de rien. Because I see things like God. Parce que je vois les choses comme Dieu. Because my God said, parce que mon Dieu a dit, fear nothing. Ne craignez rien. And people are here saying, what are we going to do? Hey, Ukraine. What et les gens sont là. Oh, my God is bigger than Ukraine and Russia combined. Oh, comment est-ce que nous allons survivre? Ukraine, le carburant, l'huile. Mais mon Dieu est plus grand que l'Ukraine et la Russie. Yeah. There are people who are afraid now. They don't have peace because of what is happening in Ukraine. You've never been in Ukraine. You're not an Ukrainian. You're not a Russian. You are not an European. You are an African. And you are here saying, oh, have you heard what is happening in Ukraine? It will come. No. If I have holiness, I don't fear that.
Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Ils ont des insomnies à cause de ce qui se passe en Ukraine. Tu n'es pas ukrainien. Ton papa n'est pas ukrainien. Ta maman n'est pas ukrainienne. Pourquoi tu t'inquiètes pour ce qui se passe en Ukraine? Oh, there is a third world war is coming. Oh, troisième guerre mondiale. So what? Et alors? Do you think God in heaven is scratching his head and saying, wow, oh, Poutine, what are you doing? No! Est-ce que vous pensez que Dieu se gratte la tête, il dit, Poutine, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non! The Bible says, la Bible dit, when we're laughing, God is laughing. Quand Dieu sourit. When we are laughing. Quand nous sommes en train de rire. At our enemies, we're laughing. Nous rions de nos ennemis. When we are in trouble, we laugh. Quand nous voyons nos ennemis, nous rions. Dieu aussi rit. I want to make God to laugh. Moi, now. Je veux que Dieu puisse rire aussi. But it will take holiness. Mais ça prend la sainteté. For you to think like God. Pour penser comme Dieu. In this world. Dans ce monde. The world is going crazy. Le monde s'affole. We are in the world. Nous sommes dans le monde. But we are not of the world. Mais nous ne sommes pas du monde. We are citizens of heaven. Nous sommes citoyens du ciel. Now some are disconnected from heaven. Mais certains sont déconnectés du ciel. And they are, if you are not connected to heaven, si tu n'es pas connecté au ciel, you are connected to something. Tu es connecté à autre chose. Connect yourself to heaven. Connecte-toi au ciel. And that is happening only through holiness. Et cela se passe à travers la sainteté. Hallelujah. 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 You'll see things like God. Vous verrez les choses comme Dieu. And your mindset in about the world will change. Et la façon dont tu vois le monde va changer. You'll see the world differently. Vous verrez le monde différemment. Hallelujah. 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 You'll go for big things. Vous irez pour les grandes choses. Whereby they'll tell you, you are just a small boy. Why are you going to look big things? On te dira, mais no. Toi, tu es un petit garçon. Pourquoi tu cherches les grandes choses? I might be bigger on the outside, but I'm bigger inside. Peut-être je suis petit à l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis un géant. Hallelujah. Hallelujah. I don't think like the world. Je ne pense pas comme le monde. Me, I like big things. Moi, j'aime les grandes choses. Because my God is big. Parce que mon Dieu, c'est un grand Dieu. My God is my Father. Mon Dieu est mon Père. And he made the world. Et il a créé le monde. He made the universe. Il a créé l'univers. And everything in it. Et toutes choses dans l'univers. My daddy. Mon papa. My daddy. Mon papa. Hallelujah. Hallelujah. We are the children of the owner of these things. Il faut comprendre les choses comme ça. This is how you must see things. Si Dieu est ton papa, if God is your daddy, oza mwana mokolo biloko. You are the child of the owner of these things. Bana ba mwena bintu. You are the owner, the child of the owner of things. Si tu sais ça. If you know that, en hébreu, in Hebrew, on dit bana ba mwina bintu. They say honor the child of the owner of things. Bana ba mwina bintu. The child of the owner. Njoba toto wa mwenye hivi vyote mko naona njoba toto yake. All these things, the owner of all these things, these are the children. Bana mokolo biloko ndeviso. That's us. Gold and silver. L'or et l'argent belongs to my father. Appartiennent à mon père. I don't go for peanuts. Je ne vais pas pour les petites choses. Because I know my God. Parce que je connais mon Dieu. I know my daddy. Je connais mon père. The prodigal son. Le fils prodigue. When he came out of the father's house. Quand il a quitté la maison du père. He left holiness. Il a quitté la sainteté. He went into the darkness. Il est allé dans les ténèbres. And he was confused. Et il était dans la confusion. Because he was no longer in the light. Parce qu'il n'était plus dans la lumière. Now he was operating from darkness. Il opérait à partir des ténèbres. Why? Because of his prodigal living. À cause de sa vie prodigue.
cause of his sin. À cause de son péché. Now, because he was not in light, et parce qu'il n'était plus dans la lumière. He did wrong things. Il a fait toutes mauvaises choses. And by doing wrong things, he lost everything that his father gave to him. Et en faisant cela, il a tout perdu, tout ce que son père lui avait donné. And then, et après, being confused, dans la confusion là, being a child of the owner of everything, étant fils du propriétaire de toutes choses, he went to work for someone. Mais dans la confusion, il est allé travailler pour une autre personne. To feed the swine. Et c'était quoi le travail? Nourrir les cochons. Alléluia. To feed the swine. Nourrir les cochons. And not only that. Et pas seulement cela. He wanted to eat now swine's food. Il voulait aussi manger la nourriture des cochons. You see confusion. Vous voyez un peu la confusion. Until he came to his senses. Jusqu'à ce qu'il a, il est rentré en lui-même. He realized. Il a compris. That I am a child of the owner of stuff. Que je suis fils du propriétaire des choses. Even slaves in the house of my father are eating. Même les esclaves dans la maison de mon père mangent. No, I can't stay here. Non, je ne peux pas rester ici. I'm going back to the light. Je rentre dans la lumière. He went back to the light. Il est rentré dans la lumière. And guess what? Et devinez quoi? Straight away. Dès que le père l'a vu. His life changed. Sa vie a changé. Give him the best robe. Donnez-lui la meilleure robe. Put a ring on his hand. Mettez une bague à son doigt. And sandals to his feet. Et des chaussures à ses pieds. And bring the best calf. Et sortez les meilleures choses. Kill it. Le veau gras. Call the best musician. Appelez la meilleure chorale. That is life in the light. Les meilleurs musiciens, c'est ça la vie dans la lumière. The best robe. La meilleure robe. The ring of covenant. La bague de l'alliance. Hallelujah. Hallelujah. Shoes on your feet. Des chaussures aux pieds. And the best steak, the best calf. That is best ribs and le veau gras avec les ribs and les pork chops. Rump steak. Les rump steak, les T-bones. Fillet. Les filets. Sirloin. Les sirloin. The best. Le meilleur. Because if you are obedient, parce que si tu es obéissant, you shall eat the best of the land. Tu mangeras les meilleures productions du pays. The best fruit of the land. Les meilleures productions du pays. Not matambo. Pas les déchets. No, non, the best. Le meilleur. That is what is written in my Bible. I don't know about yours. C'est ce qui est écrit dans ma Bible. You shall eat the best fruit of the land. Tu mangeras la meilleure production du pays. It will take holiness. Mais ça prend la sainteté. Now some of us are blaming God. Maintenant, certains d'entre nous nous blâmons Dieu. Oh, it is written, but we are not living it. Oh, c'est écrit, mais nous ne voyons rien. Don't blame God. Ne blâme pas Dieu. Go seek for holiness. Va, recherche la sainteté. Hallelujah. Because the number one mission of the Holy Spirit in your life, parce que la première mission du Saint-Esprit dans ta vie, is to help you to give you the ability to overcome sin. C'est de donner le pouvoir de vaincre le péché. Amen. And the next thing, et la prochaine chose, is to take you deeper. Into deep dimension of holiness. T'amener dans la profondeur de la sainteté. To take you closer to the Holy One. T'amener plus près du Saint. Alléluia. That is the next thing. Number one, he gives you the ability to overcome sin. Premièrement, il te donne la capacité, le pouvoir de vaincre le péché. Number two, deuxièmement, mission of the Holy Spirit, mission du Saint-Esprit, is to strengthen, to take you closer to the Holy One. Te fortifier, t'amener plus près du Saint. Alléluia. C'est lui qui est saint. Going deep in holiness means engaging in the supernatural power of God. Entrer dans la profondeur de la sainteté, c'est jouir ou bien s'engager avec la puissance de Dieu. Holiness, la sainteté, you will enjoy, tu vas jouir, the super power of God, de la puissance surnaturelle de Dieu. The more holy you are, plus tu es saint, the more power of God you'll see operating in your life, plus tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. The level of your power, le niveau de ta puissance, does not depend on the, how much you call fire down, fire, I call fire,
No, holiness. Ne dépend pas du degré du feu que tu invoques. J'invoque le feu. Non, sainteté. Somebody who's living in holiness. Quelqu'un qui vit dans la sainteté. Demons are running away from him. Les démons fuient loin de lui. Without him shouting and fasting. Sans trop de prier, jeûner. Just by the fact of holy living. Juste une vie de sainteté. Demons are far from that person. Les démons fuient cette personne. You don't have to shout fire. It's not, I don't say don't call fire myself. I'm calling fire. But, hallelujah. If you're calling fire, you're not standing on the platform of holiness. Je n'ai rien contre les feux. Moi-même, j'invoque les feux. Mais si tu ne vis pas dans la sainteté, tu es loin de la plateforme. Alléluia. Alléluia. Whatever we are doing, tout ce que nous faisons for God, pour Dieu, in the kingdom of God, dans le royaume de Dieu, if we are not standing on the platform of holiness, si nous ne nous tenons pas debout sur la plateforme de la sainteté, we are wasting our time. Nous perdons notre temps. Holiness, la sainteté. When you are there, quand vous êtes là, you'll pray less, vous allez moins prier, and get more. Et avoir plus de résultats. When you are not in holiness, quand tu n'es pas dans la sainteté, you'll pray more, tu vas prier beaucoup, and get less, pour avoir très peu. Alléluia. Alléluia. Holiness is something good. La sainteté est une bonne chose. There's power in holiness. Il y a la puissance dans la sainteté. Alléluia. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. 1 Corinthiens 1 18. For the message of the cross is foolishness to those who are dying, but to us who are being saved is the power of God. It is the power of God. The message of the cross is foolishness for those who are perishing, meaning those who are dying. Foolishness. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mais pour ceux qui périssent, c'est de la folie. Amen. Now, if truly you are following Jesus, maintenant, si vous suivez Jésus, you will know that the secret of Jesus dwell in holiness. Vous saurez que le secret de Jésus, c'était la sainteté. Romans chapter 1, verse 4. Romains 1, 4. Romans chapter 1, verse 4 says, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Now we can notice here that the Spirit of God is called Spirit of holiness. Nous voyons ici que l'Esprit de Dieu est appelé Esprit de sainteté. And when we look carefully at this verse, quand vous lisez ce verset attentivement, we notice that it is the Holy Spirit, vous voyez que c'est le Saint-Esprit, that gave to Jesus the ability to perform, qui a donné la capacité, le pouvoir à Jésus, the dimensions of God, d'opérer dans la dimension divine, and bring them to reality, et les apporter, les amener à la réalité. The power of God, la puissance de Dieu, that Jesus was operating in, dans laquelle Jésus opérait, was through the Spirit of holiness, c'était à travers l'Esprit de sainteté, bringing the realities of God, les réalités de Dieu, into this world, les amener dans ce monde. We are the visible part of the invisible God. Nous sommes la partie visible du Dieu invisible. That means people who do not know God. Donc les gens qui ne connaissent pas Dieu. Just by looking at us. En nous regardant. Should know God. Devraient connaître Dieu. I know people in my surrounding, family and relatives. Je connais des gens dans mon entourage. Who saw difference? Qui ont vu la différence in my life, dans ma vie, the way I used to be, avant Christ, and the way I am, et après Christ, and they say, et ils disent,
This can only be God. Hallelujah. I told you about a witch in my family. Yes, we have some witches in my family. I don't know about yours, but in mine we have some. Je vous ai parlé des sorciers dans ma famille. Oui, on avait des sorciers dans la famille. Je ne sais pas si c'est vous, about y en a pas, you, but I had some. Mais j'en avais. Amen. One day, un jour, the thunder, le tonnerre, the thunder, the lightning came in my yard and killed a chicken, a hen with the chicks. That's why I don't. Okay. With the chicks dead by the lightnings. Un jour, la foudre s'est abattue sur des poussins dans ma parcelle. And strike a pine tree. Des poules, et ça a aussi frappé un sapin. A small wren. Un palmier. Because they can make rain. Une petite pluie. And they can make also lightnings. Et ils peuvent aussi fabriquer la foudre. Amen. And then, after that, a guy who do not know God, who's not a believer in my family, and a well-known witch came après cela, to tell me that ule mungu unaomba ni wabia kweri. Après ce qui s'était passé là, that means the God you are serving is the true God. How you witch know my God? You came to try me and you saw something. Now you're telling me that my God is the true God. Wabon. Hallelujah. Un sorcier de renommée dans la famille. Le lendemain, il est venu me dire, mon cher, le Dieu là que vous priez, les poules sont mortes dans ma parcelle, il vient me dire, ton Dieu là, c'est le vrai Dieu. Après la foudre dans ma parcelle, ton Dieu là, c'est un vrai Dieu. Yo zandok, yo ebi ndengeni nite, nzambe nanga za nzambe asolo. You are a sorcerer. Oyaki komekanga, omoni eloko, alors comprendre, obeti bul, o comprendre te, o nzambe oyo azo samirande asolo. Hallelujah. You are a sorcerer. How do you know that my God is powerful? How do you know that my God is the real God? You tried something on me, it fired, it hit you back. It backfired, and then you saw, and the morning after you come and say, my God is a real God. I was protected. J'étais protégé. Why? Pourquoi? Living in holiness. La sainteté. If at that time, si dans ce temps-là, I was out of the light, j'étais en dehors de la lumière, something could have happened to me or one of my children. Quelque chose pouvait m'arriver à moi ou à l'un de mes enfants. Alléluia. Amen. Holiness will save you from the witch. La sainteté va te sauver des sorciers. Holiness will save you from your adversary. La sainteté va te sauver de tes adversaires. Holiness will propel you to the next life, the next level of your life. La sainteté va te propulser vers la prochaine étape de ta vie. The level you're climbing. Le niveau où tu es en train de monter in life dans la vie depend on the level of the mountain of holiness you are climbing. Cela dépend de du niveau ou bien de la hauteur de la montagne de la sainteté sur you laquelle need tu es. To climb the mountain of holiness. Tu dois monter sur la montagne de because sainteté. When you're climbing a mountain, parce que quand tu escalades une montagne, your flesh is decreasing, the flesh is weakened. Oui, la chair est faible. Is weakened because you make an effort to climb the parce mountain. Que tu fais des efforts, tu fournis des efforts pour escalader la montagne. Now, maintenant, the flesh will be weakened, la chair sera faible, but the spirit mais l'esprit will be sensitive, sera fortifié. Before Moses entered into eternity, avant que Moïse n'entre dans l'éternité, he climbed the mountain. Il avait escaladé, il était monté à la montagne. Holiness, la sainteté, is called in the Bible, est appelée dans la Bible, mountain of holiness, montagne de sainteté, Zion, Sion, the Mount Zion, Sion, Mount of holiness, la montagne de la sainteté. That is where God dwells. C'est là que Dieu demeure. Start climbing, commence à monter, mountain of holiness, la montagne de la sainteté. It will demand some effort from your side. Ça va demander des efforts de ta part. If you are here, si tu es en bas, and
You are here, you live like anyone else. Et tu vis une vie commune comme tout le monde, ordinaire. La vie terre à terre. A mundane type of life. Un chrétien terre à terre. A mundane type of Christian. Mais quand tu vas décider, but when you will decide, de monter, to ascend, à la montagne, the mountain, de la sainteté, of holiness, ça demande des efforts, it requires effort, mais tu vas monter, but you will climb up, tu laisses les choses terre à terre là-bas, you will leave the lowly things down there, yo comme y a l'icolo, and you will become an elevated person. You become elevated. Et c'est spirituellement, and that is spiritually, financièrement, financially, matériellement, materially, aux hommes matins, you are ascending à la montagne de la sainteté, the mountain of holiness. Matin en gomba. Climb up the mountain. Montagne de la sainteté. Mountain of holiness. Ça va demander des efforts. It will require efforts. Mais quand tu fais des efforts, but when you are giving tu efforts, es en train de tuer la chair. You are killing the flesh. Quand tu tues la chair, when you are killing the flesh, l'esprit devient fort. The spirit becomes stronger. Et quand l'esprit devient fort, and when the spirit is stronger, il se connecte à Dieu. It connects to God. Montagne de la sainteté. Mountain of holiness. Ça va changer ta vie, ma sœur. Will change your life, my brother, my sister. Hallelujah. Hallelujah. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, 30. That's why Jesus says in John 14, 30. Le prince de ce monde est en train de venir, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien. The prince of this world is coming, but there is nothing of him in me. Il n'y a rien en moi. He has nothing in me. Pourquoi il n'a rien en moi? Why he has nothing in me? Sainteté. Holiness. Quand le diable te regarde, when the devil looks at you, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui appartient dans toi? Do you have things that belong to him? Kotonga kakayo. Criticizing, you are the champion. Kofinga kakayo. Gossiping, you are the champion. Muibi kakayo. Stealing, you are the champion. Comment est-ce que le diable ne peut pas te ramasser? How is the devil not going to pick you up? Jésus a dit, il peut venir. Jesus said, let him come. Mais il n'a rien en moi. But he has nothing in me. Qu'il vienne. Let him come. When you're walking in holiness, quand tu marches dans la sainteté, whatever the devil can dish out to you, you can handle. Tout ce que le diable peut te lancer, tu peux gérer. You can tell him, bring it on. Tu lui dis, amen, encore. You can handle. Tu peux gérer. People cannot handle situation because the lack of holiness. Il y a des gens qui ne peuvent pas gérer certaines situations par manque de sainteté. We, you have to change. Nous devons changer. Holiness is not just about being pure and clean. No, is also there is also power. La sainteté, ce n'est pas, vous ne voyez pas seulement l'aspect de la pureté de la sainteté. Non, vous voyez aussi la puissance dans la sainteté. There is power. Il y a la puissance. You can pray and receive answers. Tu peux prier et recevoir des réponses. If you are living holiness. Si vous vivez une vie de sainteté. In the book of Jeremiah chapter 31 and Job 48 verse 1, the Bible speaks about mountain of holiness. Dans Jérémie et Job, on parle de la montagne de sainteté. Jeremiah 31 verse 23. Jeremiah. Jérémie 21. No, 31. Jérémie 31 and verse 23. Et le verset 23. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, they shall again use this speech in the land of Judah and in these cities when I bring back their captivity, the Lord bless you, O home of justice and mountain of holiness. Mountain of what? Ainsi, you understand why I was saying that you need to climb that mountain. It's a mountain of holiness. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes. Quand j'aurai ramené leurs captifs, que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. C'est pourquoi j'ai parlé d'escalader la montagne, une montagne de sainteté. Psalm chapter 48 and verse 1. Psalm 38 et le verset 1. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God,
in his holy mountain. Psalm 48, verse 1. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Alléluia. Cette montagne-là, il faut que tu la montes. That holy mountain, you need to climb it. Say, I will climb. Dites, je monterai. Holy Spirit, help me to climb the mountain of holiness. Saint-Esprit, aide-moi à monter sur la montagne de la sainteté. There is a huge mystery in this mountain. Alors, il y a un grand mystère sur cette montagne. Because this mountain is called the Mount Zion, where divinity dwells. Parce que cette montagne est appelée montagne de Sion, où il y a la divinité de Dieu. When you're climbing that mountain, quand vous montez sur cette montagne, you are after the true identity of God. Vous cherchez la véritable identité de Dieu. Obadiah chapter 1 verse 17. Abdias 1 17. Obadiah chapter 1 verse 17. Abdias 1 17. But on Mount Zion there shall be deliverance, and there shall be holiness. The house of Jacob shall possess their possessions. Abdias 1, 17. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, ce n'est pas grave. Je non, vais ils lire. Vont pas trouver. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Alléluia. Alléluia. On Mount Zion, there shall be deliverance. Sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. People are not delivered because they are not climbing on that mountain. Les gens ne sont pas délivrés parce qu'ils ne sont pas sur cette montagne. On Mount Zion, sur la montagne de Sion, shall be deliverance. Il y aura la délivrance. That's number one. Ça c'est la première chose. There shall be holiness. Il y aura la sainteté. And the house of Jacob shall possess his possessions. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. If your deliverance, si ta délivrance, is not on the platform of holiness, n'est pas sur la plateforme de la sainteté, is not a true deliverance. C'est pas une véritable délivrance. That's why I deliver people. C'est pourquoi je délivre des gens. And the next thing is that they come back to square one. Et après ça, ils rentrent à la case de départ. I've been delivering people here during the seminar. J'ai délivré des gens dans le séminaire qu'on and vient d'avoir. Et une véritable délivrance. But as long that you don't keep holiness, aussi longtemps que vous ne gardez pas, conservez pas votre sainteté, that deliverance we saw here, la délivrance que nous avons vue ici, won't be effective, ne sera pas efficace. On Mount Zion, sur la montagne de Sion, there shall be deliverance. Il y aura la délivrance. There shall be holiness. Il y aura la sainteté. And there, the sons of Jacob shall possess their possession. Et les fils de Jacob reprendront leurs possessions. You have possession to possess. Vous avez des possessions à reprendre. But where? Mais où? Mount of holiness. Montagne de la sainteté. You will possess your possession. Vous allez reprendre, récupérer vos possessions. That means that we have possessions. Ça veut dire que nous avons la protection. But we don't possess them. Mais nous avons des possessions que nous ne possédons pas. Because the Bible says, parce que la Bible dit, on that mountain, c'est sur la montagne, they shall possess, des sillons qu'ils vont posséder, their possession, reprendre leurs possessions. That means their possessions are already there. Sont déjà là. But them, they don't want to climb. Mais eux, ils n'ont pas envie de monter. And if you don't want to climb, et si tu ne veux pas monter, your possession are there. Tes possessions sont déjà là. Now you have to decide. Alors, fais, prends une décision. Living a life of peanuts and crumbs. Soit mener une vie de miettes. Being a child of God. Pendant que tu es l'enfant de Dieu. And you'll have a problem one day with God. Et un jour, tu auras des problèmes avec Dieu. For not glorifying him. Pour ne l'avoir pas glorifié. We must glorify him. Nous devons glorifier Dieu. Our lives, nos vies, should celebrate God. Devraient célébrer Dieu. Should make people to want to have the same. Devait donner envie aux gens de désirer avoir la même chose. Comment les gens meurent dans le Covid? Toi, tu ne meurs pas. Tu dis, Kaka Zambé. Why, so many people died in Covid. You're not dying. You didn't you die? No, it's God, by God's grace.
comment les gens les arrachent les maisons? Toi, on ne t'a pas arraché ta maison. Tu fais comment pour payer tes dettes? Tu as fait comment pour t'en sortir? Non, kakanzambe. People's repossession, the people's possessions got repossessed by the banks. How come you kept all your things? It is God. Comment tu as fait pour avoir ton numéro? How did you get your matriculation number? Comment tu as eu ton matricule? How were you registered by the government to practice as a doctor? Finalement, God made it possible. People will come and say, "Show me that God of yours. I want to see him." Simple. C'est simple. You have possession to tu possess. As des possessions à reprendre. But they are not there. Mais elles ne sont pas en bas. Pezulu. Iko yulu. Pezulu. Iko yulu. Panda. You must go up. Sainteté. Holiness. Tu es distrait avec des petites choses terre à terre là-bas. Distracted with futile things there on the floor. Il y a quelqu'un, moi je lui prêche l'évangile, me dit,